La route est encore longue pour l'Union européenne avant de sanctionner la Hongrie pour violation de l'état de droit. Le Parlement européen a adopté la semaine dernière le principe du déclenchement de l'article 7 du traité sur le fonctionnement des institutions. D'ici là, la Commission européenne préfère employer ses propres mesures. Bien sûr, nous sommes inquiets concernant l'état de droit et nous partageons l'analyse du Parlement. La Commission a d'autres moyens à sa disposition. Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé ces outils, les procédures d'infraction pour faire comparaître le gouvernement hongrois si nous pensons que les autorités violent les règles européennes, le dialogue avec le gouvernement hongrois pour résoudre ces questions. Après l'adoption par le Parlement, les États membres doivent lancer les discussions avec Budapest et faire des recommandations. En cas de refus de la Hongrie de les suivre, il faudra alors l'unanimité des différentes capitales pour lancer l'article 7. Toutefois, l'Union pourrait avoir à l'avenir un nouvel instrument afin d'agir plus rapidement. Dans le contexte du prochain budget européen pluriannuel, la Commission a proposé un nouveau mécanisme appelé mécanisme de l'état de droit. Par exemple, en cas de manque d'indépendance du pouvoir judiciaire dans un pays, l'Union pourrait suspendre les fonds européens. Les étapes sont donc encore nombreuses et les majorités requises pour poursuivre la procédure s'annoncent aussi difficiles à obtenir.